En couture. Please be seated. Ong chunun yu rea paka mento kai tam na kaan ete ti sam na kaan. Back in session. Reprise de l'audience. Had the floor once again to the defense team for Kyu Sampol. Laissez-nous la parole. To continue with their key document presentation. De ces documents clés. Recevez la parole, maître. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. J'en étais au moment de la pause déjeuner. When we broke off for lunch. À deux documents que je voulais présenter. Trying to present two documents. Qui évoquent les négociations avec documents that les Vietnamiens to the negotiations en 1976. Premier document. In 19... Document E3/221. Qui est le procès-verbal de réunion intitulé « Étude de la réaction des Vietnamiens au cours de la cinquième réunion le matin du 14 mai 1976 ». Ce document est une sorte de bilan des négociations en cours avec les Vietnamiens au sujet des problèmes frontaliers. On y évoque longuement la question de la ligne Brévier, la ligne maritime, également les problèmes relatifs aux frontières terrestres. Et ce qui est intéressant de noter dans ce document, c'est que, a priori, les membres de la réunion sont tous d'accord sur le fait qu'il est important de continuer les négociations. Et là, je vais citer un passage au document, à l'ERN, pardon, en français, 00-38-61-80, et un autre passage à la page suivante, and another en Khmer, 0-0-0-0-0-0-0-0-8-1-5. Et ça se poursuit au page suivante. Et le RN en anglais, 0-0-1-8-2-6-9-7. Et ça se poursuit sur la page suivante. L'extrait que je lis à la première page et une intervention du camarade Nguyen qui parle a message by comrade Nguyen, de ces négociations. Who is talking about these negotiations. Et il explique and comment ces négociations se sont déroulées explains how those et negotiations comment were conducted est composée la délégation. And the composition of the delegation. Voilà ce qu'il indique. And this is what he says. Peu importe les résultats, nous garderons définitivement la même position du parti, garderons la même ambiance, la même solidarité et la même amitié. Mais si la situation des négociations n'évolue pas, l'ambiance pourrait devenir tendue. Nous pourrions trouver les moyens pour apaiser la situation en finissant les négociations sur un statu quo. Pan Nien n'est pas un politicien intelligent. C'est un négociateur qui se sert de la loi et de la loi des capitalistes. Il négocie avec nous comme s'il le faisait avec les Américains. Il ne pourrait peut-être pas comprendre l'amitié ni la solidarité. Il veut nous dominer dans les négociations. Et il finit en disant, les membres de sa délégation sont certainement divisés. Nous devrions nous allier avec ceux qui pourraient semer le trouble dans leur rang. En conclusion, les négociations d'aujourd'hui n'étaient pas trop tendues. C'était simplement l'expression de nos positions respectives. Just an expression of one another's à la page suivante, and on the next il est intéressant page, de noter également l'intervention du camarade Kyu Son Sen, qui lui évoque toujours ces négociations, mais parle également de la situation militaire. Il dit, c'est le troisième paragraphe son intervention, ainsi, selon les estimations, les deuxième, troisième et quatrième demandes ne seraient pas réalisées.
Nous pouvons maintenir la même ambiance, mais chacun connaît bien sa position respective. Si les négociations devaient durer encore, ça pourrait aboutir à une tension. Je suis d'accord avec l'avis du camarade Noon. Il vaut mieux trouver la façon de négocier. Quant au problème des tirs des Vietnamiens sur nos navires, ce n'est pas essentiel. Sur la scène internationale, le Vietnam a toujours besoin de nous, donc ce n'est pas essentiel. Nous devons trouver les moyens de finir les négociations pour maintenir la même ambiance. Il continue. Ensuite, au paragraphe suivant, en évoquant les questions internationales et en notant, je cite, le Vietnam et la Thaïlande se sont emparés de toutes nos eaux. Il avait précisé, j'aurais dû lire le premier bout de paragraphe, notre ouverture maritime ressemble à un coquillage. Le Vietnam et la Thaïlande se sont emparés de toutes nos eaux. Et il finit sur la page, en tout cas. Le Vietnam ne gagne pas. S'il y avait des conflits avec la Chine, ça serait encore plus compliqué. À l'heure actuelle, s'ils venaient prendre nos îles, ça serait aussi plus difficile. Ils nous menacent, mais ce n'est pas légal. Nous apaisons la situation. Nous n'insultons pas parce que nous voulons maintenir la même ambiance. Fin de citation. Donc ça, c'est un élément de contexte qui est extrêmement important puisque nous avons, si nous considérons que c'est bien un procès-verbal de réunion évoquant ces négociations, nous avons une volonté, a priori, qui semble être unanime au sein des personnes qui discutent au cours de cette réunion pour que les négociations avec le Vietnam continuent. Son Sen dit bien que même s'il y a des tirs de Vietnamiens sur les navires, il faut malgré tout continuer à discuter. Je mets ce document en rapport avec les témoins qui sont venus exposer leur travail sur les zones maritimes et sur les consignes qu'ils avaient reçues de Son Sen et de leur hiérarchie. Un autre point, je renvoie également à le RN 00386-187 en français, qui est toujours la question des négociations et la manière dont les négociations sont déroulées. Et je termine par la dernière page du document avec l'intervention du camarade secrétaire Pol Pot qui dit « Donc, nous adoptons le profil bas, nous irons donc regarder son film. » Il parle de représentants vietnamiens. Il n'a aucune raison de nous attaquer parce que nous avons encore un sourire franc. Nous ne l'avons jamais insulté. S'il attaquait, il ne gagnerait rien. Il n'y aurait que des pertes. Fin de citation. Là encore, même le camarade secrétaire, quand il finit en indiquant la marche à suivre, on est toujours dans cette volonté de négociation. Et la date est importante parce que nous sommes dans une position de l'État ou du gouvernement, en tout cas du Conseil des ministres ce jour-là, plutôt du Comité permanent ce jour-là, qui invoque la nécessité de continuer à discuter et à négocier. Et on ne peut pas indiquer qu'au travers de ces documents, il y a une politique de s'attaquer aux Vietnamiens de façon générale, que ce soit combattants ou civils. Un autre point que je mentionne en passant, c'est qu'il est intéressant de noter qu'à la première page de ce document, on mentionne la présence du camarade M, alias Khieu Samphan, mais qu'à aucun moment il n'intervient au cours de cette réunion. Un autre point à mettre également en miroir, un autre document à mettre en miroir avec ce précédent document, c'est la réunion du Conseil des ministres du 31 mai 1976, document E3-794, où
à l'ERN en français, 00611 618, à l'ERN en Khmer, 00000786, et en anglais, 00018 26 76. Là, c'est le camarade secrétaire qui fait un compte-rendu et explique la position et indique ceci au sujet des problèmes frontaliers. Dernier paragraphe en français. Quant aux problèmes frontaliers, il n'y a aucune solution. Selon les expériences dans le monde, à certains endroits, il faut des centaines d'années pour trouver des solutions. Quant à nous, nous continuerons à résoudre les problèmes. Lors de la négociation, le parti a soulevé trois souhaits. Premièrement, si on n'arrivait pas à trouver de solution, il faudrait maintenir le statu quo. Deuxièmement, la situation est améliorée par rapport à avant dans une certaine mesure. Troisièmement, il faut gagner un minimum de gains. Maintenant, notre premier souhait et notre deuxième souhait se sont réalisés. Fin de citation. Donc là encore, 31 mai 76, confirmation que la volonté est de continuer à négocier. Toujours sur la question du thème, sur ce qui est dit à propos du Vietnam, et est-ce qu'à un moment, on a une politique du PCK qui reviendrait à assimiler les ennemis à autre chose qu'un ennemi étatique s'il y a des difficultés. C'est un document qui est un étendard révolutionnaire de février 78, document E3-744, ERN en français, 00 538 534 944, ERN en Khmer 00 000 644 440, ERN en anglais 00 046 46 40 63 63. Et la position est de dire que dans ce document, il n'y a aucun doute sur le fait que l'on parle toujours du Vietnam en tant qu'État et que si on a un litige, on le définit comme étant avec l'État vietnamien et non pas avec les Vietnamiens en tant que race. Et aux ERN que je viens de citer, il est indiqué, c'est une analyse faite dans l'étendard révolutionnaire, et il est indiqué un paragraphe deuxièmement, la défaite des Vietnamiens sur le plan politique. Je saute le premier paragraphe et j'en viens à ce qui est considéré comme l'impasse dans laquelle le Vietnam se serait trouvé à l'époque. Enfin, il s'est retrouvé dans une impasse la plus totale. Il y avait une autre défaite politique du Vietnam. C'était le fait que le peuple vietnamien ait vu clairement que la politique d'invasion a amené le Vietnam et le peuple vietnamien sur un appauvrissement terrible. Deuxième point à évoquer, il y avait un autre objectif politique du Vietnam qui avait mis sur pied une organisation ou un parti ou un mouvement qui aurait été amené du Vietnam pour être mis en place ou pour être proclamé dans les régions qu'il aurait réussi à envahir. Ce plan-là a échoué complètement. Fin de citation. Ça, c'est un élément important parce qu'on voit bien, en tout cas dans cet étendard révolutionnaire, qu'on fait une différence avec entre la politique du Vietnam de façon générale et le peuple vietnamien, dont on dit dans ce document qu'il aurait vu clairement à jour que la politique d'invasion n'était pas positive. Ça, c'est un point important. Et dans la suite de ce document, là, c'est le dernier paragraphe en français, on précise encore mieux
que c'est bien à l'égard du Vietnam en tant que pays qu'il y a un problème, et non pas, encore une fois, à l'égard des Vietnamiens en tant que race. Dernier paragraphe. Nous avons pu préserver et défendre solidement et lever très haut et très en évidence le drapeau de l'indépendance et de l'autonomie et de la nécessité d'être maître de son propre destin, lever haut le drapeau de l'indépendance, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoire, et lever haut le drapeau de l'honneur national et populaire du Cambodge. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce qui vient sur la suite, parce que la métaphore du drapeau n'est pas anodine, qui dit drapeau dit pays. On poursuit en disant, et nous devons frapper fortement le drapeau des envahisseurs, des expansionnistes et des avaleurs de territoire. Nous devons frapper fortement le drapeau de la Fédération indochinoise du Vietnam. Nous devons frapper fortement le drapeau de la peur des grands pays et de la collaboration avec les ennemis. Nous devons frapper fortement le drapeau de la doctrine des grandes puissances du Vietnam, le drapeau d'un parti unique, d'un pays unique et d'un peuple unique du Vietnam doit également être frappé de la façon la plus humiliante qui soit. Fin de citation. Et là, clairement, encore une fois, pour refaire écho à ce que je disais précédemment, nous avons politique, ou en tout cas un leitmotiv dans ce qui est dit, à savoir que le problème, c'est l'État vietnamien qui veut annexer un territoire, c'est l'État vietnamien qui veut avaler des territoires ou s'attaquer à l'intégrité du territoire, mais certainement pas les Vietnamiens en tant que Vietnamiens ou en tant que personnes civiles. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important, sachant que cet étendard révolutionnaire date de février 1978. Pour finir sur la série de documents que nous voulions mettre en lumière, tout à l'heure, j'ai évoqué un certain nombre de problèmes à la frontière vietnamienne et les différents mouvements qui ont pu être évoqués dans la presse, des mouvements de libération ou des mouvements de rébellion, que ce soit à la frontière ou à l'intérieur du pays. Nous avons également deux autres articles de journaux relatifs à cette question-là et qui sont en rapport avec les anciens soldats de la République mère, puisque ce sont des articles qui évoquent des mouvements de rébellion ou en tout cas de tentatives de retour au Cambodge pour faire tomber le gouvernement du Cambodge démocratique et qui sont menés par des anciens soldats de la République mère. Et là, je fais référence à un premier document, document E3/7314, qui est un article du journal Libération de juin 1976. Là aussi, la date est importante. Et là, cette fois-ci, ce ne sont pas des mouvements qui sont à la frontière vietnamienne, mais à la frontière thaïlandaise. Et on évoque notamment, et c'est à l'URN en français, je crois que le document n'existe qu'en français. Document à l'URN S0005779, où on évoque donc le Molinac. C'est à la deuxième colonne de cet article en français. Le journaliste a évoqué plusieurs groupes en expliquant qu'il y a pu avoir dans la jungle des gens qui se présentaient comme des mouvements de résistance aux Khmer Rouge, qui sont en fait un peu des mercenaires, des gens qui recherchent de l'argent. Et voilà ce que le journaliste indique pour la suite.
Outre ces groupes, pour qui la résistance semble surtout un moyen supplémentaire de gagner quelques dollars, il existe toute une série de groupes dépendant de tel ou tel politicien ou général de l'ancien régime qui voient eux aussi dans la résistance un moyen commode d'attirer quelques subsides et de recouvrer un peu de leur prestige perdu. Ces groupes sont faibles numériquement et pratiquement inactifs. Ils sont aussi divisés et en proie aux ambitions personnelles et à la corruption que le régime dont ils sont les résidus. En avril a été annoncé à Paris la création d'un rassemblement de certains de ces groupes sous l'étiquette Molinac, mouvement de libération nationale Khmer, qui se réclame de deux des hommes forts de l'ancien régime, In Tham et Son Gom Tan, aujourd'hui exilés en France. C'est dans la ville frontière Thaï, Dianara Praté, que les dirigeants de ce groupe sur le terrain, un ancien ministre de Lon Nol, Dan Sang, et un ancien dirigeant Khmer, Serai, Son Sambo, ont établi leur quartier général. Quant aux rumeurs faisant état de foyers de résistance composés de restes de l'armée de Lon Nol dans le massif des Cardamones, sud-ouest du Cambodge, elles sont bien sûr invérifiables, même s'il n'est pas invraisemblable que des groupes aient pu tenir le maquis dans cette zone montagneuse d'accès très difficile. Au total, l'ensemble de ces groupes ne compte, estime-t-on à Bangkok, pas plus de 1500 hommes. Un seul groupe est vraiment actif. Il s'agit d'un front de libération du Nord-Cambodge, dont les 200 hommes, bien armés et entraînés, pénétraient parfois assez profondément en territoire cambodgien à partir de leur base située dans la province thaïlandaise de Burinam. Ce groupe, composé d'anciens soldats et officiers de Lon Nol, serait en fait directement organisé et équipé par les services spéciaux de l'armée thaï pour lesquels ils effectuent diverses actions de renseignement. Fin de citation. Donc là encore, question de contexte, quand on parle des ennemis ou d'espionnage, nous avons un article de 76 qui évoque ce mouvement Molinac et qui évoque les mouvements à la frontière thaï avec les éléments de renseignement venant de cet État, la Thaïlande, à ce moment-là. C'est une information qui est également reprise, qui d'ailleurs précédait, puisque cet article est d'avril 76, dans le Bangkok Post, document E3-7316. Et le titre de l'article est en anglais, puisque je pense qu'il n'existe qu'en anglais, effectivement. I believe it only exists in English. T'intitule. And the article is titled La résistance anticommuniste Months in Northwest Cambodia. Au nord-ouest du Cambodge. Et voilà ce qui est dit au début de l'article. This is what is stated at the beginning of the article. La résistance anticommuniste anti-communist se répand dans le nord-ouest du Cambodge. Cambodia. Between Khmer Rouge units and anti-communist guerrillas, a resistance leader told Agence France Presse. Un dirigeant de la résistance à l'Agence France Presse. The leader, a former officer in the Khmer Republican Army, when Marshal Lon Nol ruled Cambodia, said his organization, the Liberation Front for Northern Cambodia, at small groups of 20 to 30 men scattered between the Thai frontier and the Tonle Sap Great Lake. According to the leader, the Liberation Front for Northern Cambodia has 200 well-armed and well-trained men in guerrilla units, which have communications equipment. They are constantly on the move, he said, in the Northwest Forest Zone. Ils se déplacent souvent dans la zone nord-ouest. The front is at present conducting negotiations with other resistance groups operating in western Cambodia known as Molinac. L'ouest du Cambodge comme le Molinac.
the leader said. A dit ce dirigeant. Molinac has network in Paris and contacts in several Western countries, he said. Dans différents pays occidentaux, a-t-il dit. A small liberated zone has already been established to the south of the border town of Poipet, plutôt de la ville frontalière across de Poipet, from Thailand, according to the resistance leader. La frontière avec la Thaïlande, d'après ce dirigeant. It consists of about 100 square kilometers in the heart of the jungle, he said. Au cœur de la jungle. Fin de citation. Et le reste de l'article continue sur ce qui est dit et ce qui se passe dans cette zone. Donc là encore, un élément important, avril 76, nous avons des incursions, en tout cas des allégations d'incursions et des gens qui se présentent comme des mouvements de rébellion et en tout cas des mouvements ayant pour but d'attaquer le régime en place et qui sont dans la zone nord-ouest et qui font des incursions dans cette zone nord-ouest. Là encore, un élément de contexte extrêmement important sur les incidences que cela peut avoir également sur la manière dont les gens voient les attaques du côté de Phnom Penh. Enfin, un dernier point qui vient en écho à cette zone frontalière avec la Thaïlande, un document E3-7290. C'est la première page, c'est un article d'un chargé de recherche à l'université de Yale. Donc là, c'est un travail universitaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'URN, en français, 0-1-1-7-2-7-1-8. À l'URN en Khmer, 0-1-1-5-2-7-1-0. Et à l'URN en anglais, 0-0-9-9-3-8-0-9. Cet universitaire évoque la question du problème frontalier avec la Thaïlande et c'est le dernier paragraphe de la page en français. Ce conflit frontalier était en partie dû à des revendications concurrentes par la Thaïlande et le Cambodge concernant certaines zones frontalières. On estimait qu'il était également l'œuvre des opérations de la guérilla des forces de la droite cambodgienne qui bénéficiaient en secret d'un appui des forces armées thaïlandaises et était autorisée à utiliser les zones frontalières thaïlandaises comme sanctuaire. Ces forces, généralement connues sous le nom de Khmer Serai, étaient composées d'anciens membres du gouvernement de Lon Nol. L'une d'elles appartenait à l'ancien premier ministre cambodgien In Thaen, dont la base était située sur la frontière entre les provinces de Prachinburi et de Battambang. Fin de citation. Donc c'était un dernier point pour parler de ces conflits et de ces incursions depuis la frontière thaïlandaise. Cela met fin à ma présentation de documents sur le segment et bien sûr nous aurons à y revenir dans le cadre des réponses. We will revisit them as part of our responses to any questions asked. Bah, ขอบคุณ President.Thank you. The hearing today has come to an end. And the chamber will resume its hearing tomorrow on Friday, 26 February 2016 at 9 a.m. The chamber will continue to conduct the key document presentation hearings in relation to the treatment of the targeted groups, Khmer Vietnamese and former officials of the Khmer Republic. Les anciens, à savoir les Cham, les Vietnamiens et les anciens fonctionnaires de la République de In particular, the chamber will hear the responses and also any other observation of parties qui seront by formulées par les parties 26 February 2016. Ce jour-là. And tomorrow the chamber will not conduct its hearing
to allow parties to get ready for responses and observation on the documents presented by parties. Please be informed and be on time. Security personnel are instructed to bring the accused Kyu Somphone and Nguyen Chia back to the detention of the ETCC and have them returned into the courtroom on Friday, 26 February 2016, before 9 a.m. The court is now adjourned. Avant 9 heures, l'audience est levée.